Cette année, Paris fête le centenaire du tournoi féminin. En 1897, Mademoiselle Masson remporte l'épreuve sur terre battue. Pour saluer l'événement, toutes les stars sont là, avec à leur tête la plus jeune numéro 1 de l'histoire, Martina Hingis. Pour Anke Huber, la fête tourne court. En perdant en 3-7 contre l'américaine Kimberly Poe, l'Allemande est la seule tête de série à quitter le tournoi dès le premier tour. Chez les garçons, les têtes sont plus fragiles. Magnus Gustafsson réussit un match solide face à Goran Ivanisevic. Toujours aussi peu inspiré sur la terre rouge, le numéro 4 s'en va. La détresse se lit sur le visage d'Alberto Berasategui. Le finaliste 1994, tête de série numéro 12, est tiraillé par les crampes. Dommage, car l'Espagnol tient le choc contre un excellent Medvedev. Berasategui mène 2-7 à 1, mais à 2 jeux à 1 au 5e set, Alberto doit abandonner. Le double vainqueur de l'épreuve en 91 et 92 n'est plus que l'ombre de lui-même et Magnus Larsson s'est chargé de le lui rappeler. Jim Courier s'est pourtant bien battu, remontant un handicap de 2-7 avant de s'incliner en 5 manches. Courier n'avait jamais perdu avant les 8e de finale à Roland-Garros. Avec Ivanisevic et Berasategui, l'anglais Tim Henman est la troisième tête de série sortie dès le premier tour. C'est le français Olivier Delettre, wildcard, qui s'est chargé de cette affaire. Olivier, numéro 156 mondial, veut revenir au premier plan. Cette victoire en 5-7 peut le relancer malgré ses 30 ans. On attendait beaucoup de Fabrice Santoro, époustouflant à Monte Carlo. Mais Françoise Dur a eu la main lourde en lui désignant dès le premier tour Pete Sampras. Le numéro 1 réussit un grand match et malgré son courage, Fabrice cède en 3-7. Cette année, vous avez été 364 901 spectateurs payants à arpenter les allées de Roland-Garros, record battu. Et dans ce public passionné, énormément de jeunes, ça promet. Désespoir également sur le court. La championne du monde junior 96, Amélie Mauresmo, est opposée à Steffi Graf pour le compte du deuxième tour. Amélie, devant ses supporters, montre qu'elle continue de progresser. Bien sûr, la numéro 2 mondiale gagne en 2-7, 6-3, 6-3, mais l'on reverra certainement Amélie plus loin dans le tableau dans les années à venir. L'attraction du deuxième tour, la jeune étoile montante Venus Williams face à l'expérimentée Nathalie Tauzia.
La Française l'emporte en 3-7 après 2h24 d'un match décousu où Vénus, 15 ans, a montré ses limites, mais surtout son potentiel énorme. 5-7, 10-3, 7-5. Revoilà Sampras contre Clavette, Pete confirme qu'il est en forme. Paris attend le sacre du numéro 1. Le beau temps rend les cours rapides et favorise son jeu. Francisco Clavette explose en 3-7, 6-1, 6-2, 6-2. 6-2, 6-2. Le match des fortes têtes, Muster-Tarango. Muster en sort vainqueur mais pas grandi, il refuse de serrer la main de son adversaire. L'Autrichien s'excusera le lendemain. Les Chiliens derrière leur idole, Marcelo Ríos, abonné aux frères Black. Le premier c'est Wen, issu des qualifications. Marcelo finit par envoyer le joueur du Zimbabwe dans les cordes après avoir été mené 2-7 à 1. Deuxième tour, Marcelo devant l'aîné des Blacks, Byron, numéro 67 mondial. Byron essaie de venger son frère, il y parvient presque en menant 2-0. Ríos se réveille et termine en trombe 6-0 dans le cinquième set. Le Chilien s'est fait peur. Après avoir sorti Gross au premier tour, Cédric Pioline se retrouve face à un Argentin peroxydé, Gaston Etlis. Etlis, sorti des qualifications, donne du fil à retordre aux Français. Cédric franchit l'obstacle en 4-7. Soulagement. Des Français qui gagnent. Arnaud Butch entre pied au plancher dans le tournoi. Ça commence par une victoire en 3 petits sets contre Kucera, 6-1, 6-1, 6-4. Ça continue sur le même rythme ou presque face à Marcos Ondruska, 6-3, 6-2, 6-1. Stéphane Simian a réussi un gros coup au premier tour en dominant l'Autrichien Gilbert Schaller en 5 manches. Stéphane insiste et sort le Hongrois Groschko en 3-7. C'est son plus beau parcours à Paris. 6-3, 6-3, 7-6. Nicolas Escudé n'est pas en reste. Le Français fait honneur à l'invitation que lui ont attribuée les organisateurs du tournoi. Il sort Johansson pour commencer et se débarrasse ensuite de l'Américain Stark en 3-7 à l'issue d'un match au couteau. Résultat, au troisième tour, il y aura 6 Français du jamais vu depuis 1971 et 4 Françaises.
Nos représentants n'ont pas encore été emportés par l'invité des premiers jours, le vent. Symbole de la fraîcheur qui souffle sur ce tournoi, cette rencontre du troisième tour entre Martina Hingis, 16 ans, et Anna Kournikova, 15 ans. La jolie poupée russe est encore trop tendre pour Martina, 6-1, 6-3. Monica Seles sent pitié pour Nathalie Tauzia. Les points gagnants de la Française sont bien rares. L'Américaine se déplace mieux, frappe la balle de plus en plus fort et joue aussi en touché. Seles, expéditive, s'impose 6-0, 6-1. J'ai un certain match en la salle de Montevideo, 6-0, 6-1. Deux Françaises face à face. Sandrine Testu, numéro 24, qui réussit sa meilleure saison. Et Marie Pierce, numéro 10, vainqueur à Rome, finaliste à l'Open d'Australie, à Amelia Island, ainsi qu'à Berlin. Malgré des problèmes gastriques, Marie Pierce prend un départ tonitruant, 6-1 dans le premier set. Égalité. Sandrine se reprend dans la deuxième manche, le match est plus serré. Finalement, le dernier mot revient à la plus chevronnée. Pierce prend la deuxième manche 6-3 et file vers les huitièmes de finale où Seles l'attend. Coup dur pour Sampras, coup dur pour le tournoi. Le numéro 1, diminué par des ennuis intestinaux, est à la peine. Le génie de son bras ne suffit pas lorsque les jambes ne suivent plus. Face à lui, un Suédois nouveau venu, 65e mondial, insensible au malheur de Sampras et qui fait connaître son redoutable coup droit. Magnus Norman s'offre le numéro 1 mondial en 4-7 le jour de ses 20 ans. Regret pour Pete, décidément trop souvent malheureux, à Roland-Garros. Ce vendredi 30 mai, il se passe aussi quelque chose de fort sur le court numéro 1. Thomas Muster, contrairement à ses habitudes, arrive à Roland-Garros sans avoir remporté le moindre tournoi sur terre battue. Face à Gustavo Kuerten, un Brésilien quasi inconnu, l'Autrichien est en difficulté. Thomas mène 3-0 dans la dernière manche, mais Kuerten emballe le match et revient en prenant tous les risques. Muster est au bord de la rupture, d'autant que le Brésilien, classé 66e mondial, ne tremble pas sur la balle de match. Le jaune et le bleu deviennent à la mode. Cédric Pioline rageur, il y croit. Il est mené deux manches à rien par Yevgeny Kafelnikov, mais il revient à deux partout.
Kafelnikov, qui a laissé filer le quatrième set, se reprend dans le set décisif. Pioline reste sur sa lancée et se détache pour mener 4 jeux à 3 services à suivre. Le Français est rattrapé par ses vieux démons. Il coince au moment de conclure. Le Russe en profite. Dommage, vraiment dommage pour Cédric. Je fais le match. Kafelnikov, 3 matchs à 2. 7-5, 6-4, 6-7, 1-6, 6-4. Autre choc attendu, Rios Butch. Arnaud part bien. Il manque une balle de 4-0. Le Chilien revient pour s'offrir un tie-break. Le Français mène 6 points à 2. Mais là aussi, Butch ne finit pas ce set malgré 5 possibilités. Rios, complètement relancé, trouve alors le rythme. Le vent balaye les dernières illusions du Français. Marcelo Rios, très en réussite dans les deux sets suivants, passe facilement. 7-6, 6-3, 6-4. Regret également pour Arnaud Butch. Décidément, cela tourne à la catastrophe pour les Français. Malgré tous ses efforts, Thierry Champion, blessé au genou, est obligé d'abandonner face à Alex Correia. Stéphane Simian, touché aux adducteurs, est contraint lui aussi de se retirer à la fin du deuxième set contre Chang. Chang, bourreau des Français qui a déjà battu Gilbert et Golmar. Nicolas Escudé face à Andriy Medvedev joue son va-tout. Il pousse l'Ukrainien au tie-break dans le premier set. Mais Andriy, c'est du solide, il contrôle à l'image de cette balle de match. Six, six, quatre, six, trois pour Medvedev. Les pitreries de Marc Rosset n'amusent guère Lionel Roux. Pourtant, Lionel fait jeu égal avec la tête de série numéro 15 pendant 2 sets. Mais à l'image de ses compatriotes, le Lyonnais a du mal à tenir la distance. Il n'y a plus de Français au stade des huitièmes de finale. C'est seulement la quatrième fois que cela arrive depuis 1969. Se lève pour Marie. Une hola pour se réchauffer un dimanche d'élection. Marie rigole, Monica apprécie moins.
Spears et Seles livrent un beau duel. La Française est courageuse, mais elle a affaire à une excellente Monica Seles très hargneuse. L'Américaine prend l'ascendant. Monica conclut sur un ace, un match qu'elle qualifie de parfait. Chez les garçons, le haut du tableau s'ouvre et Rosset n'en profite pas. Contre Magnus Norman, le Suisse prend pourtant le premier set. Visiblement, cela ne suffit pas à le rassurer. Il faut dire que le Suédois s'enhardit. Rosset, moins confiant, ne prend pas assez souvent le filet. Dommage pour lui, son salut est ici. Après Sampras, le Suédois à la casquette sort un autre demi-finaliste du tournoi 96. Le Belge Philippe De Wolf, issu des qualifications, est toujours là. Son adversaire est l'Espagnol Alex Correia, outsider de ce tournoi et meilleur joueur de la saison sur terre battue. Seulement Correia ne s'en sort pas. Dans le vent du central, il a du mal. Certes, il remporte le premier set, mais il est ensuite balayé par le jeu inspiré et offensif du Belge. Ses coups d'éclat sont trop rares. De Wolf croit de plus en plus en ses chances devant un Correia très passif. Le Belge se qualifie en 4-7, encore un invité surprise en quart de finale, et ce n'est pas fini. Andriy Medvedev se frotte au Brésilien Quarten. Malgré son gros service, l'Ukrainien n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Le jour tombe, la partie est interrompue à deux partout dans la cinquième manche. Ça ne fait pas trembler les deux joueurs et surtout pas le Brésilien. Mais dans ce sprint effréné, c'est Quarten qui a le plus d'énergie. Il joue sa quatrième balle de match sans état d'âme. Medvedev passe à la trappe, Quarten fait connaître son surnom, Bouga. Le plus rapide serveur du circuit, Marc Philippoussis, hurle sa colère. Kafelnikov, son adversaire du jour, est un roc. L'Australien est condamné à l'exploit pour passer. Ce jour-là, le tenant du titre ne lâche aucun point. Kafelnikov passe en 3-7. Ce drapeau espagnol est pour Blanco. Gallo Blanco, l'un des 18 Espagnols engagés cette année. Blanco en fait voir de toutes les couleurs à Petr Korda. Et l'Espagnol 111e mondial sort le Tchèque en 4 manches. Encore un nouveau venu. Choc entre deux anciens vainqueurs du tournoi, Chang et Bruguera. Match physique et passionnant entre deux grands tacticiens de cette surface. Sergi prend le dessus en 4-7 et sait qu'il peut désormais aller loin.
Encore du nouveau, encore de l'insolite, encore une surprise. Le Marocain Hicham Arazi enflamme le cours Suzanne Lenglen et produit un tennis de rêve contre Marcelo Ríos. Le Chilien, vite mené 2-7-0 en 49 minutes, prend la troisième manche. Mais Arazi s'impose dans le tie-break du quatrième set, 7 points à 4. Grosse sensation, Ríos dehors, vive Arazi. 6-2, 6-1, 5-7, 7-2. Et on reprend avec les quarts de finale dames. Pour entamer une bien belle journée, Ruxandra Dragomir et Iva Maioli se livrent une bagarre terrible. Dragomir sauve 3 balles de match au deuxième set. La Roumaine courageuse entraîne la Croate dans une troisième manche. De nouvelles balles de match sont sauvées, la sixième est la bonne, et les deux partenaires de double, au bout d'elles-mêmes, inventent l'image forte de ce Roland-Garros 97. Le sourire radieux d'Amanda Kutzer, le sourire crispé de Steffi Graf. Amanda, qui a battu sèchement l'Allemande à Berlin 6-0, 6-1, sait parfaitement comment jouer Steffi. Graf, contrairement à son habitude, accumule les fautes directes. La Sud-Africaine commence fort et mène 6-1 en 34 minutes. La pluie qui interrompt la partie dans le deuxième set ne change rien à l'affaire. Amanda virevolte, Steffi craque. La tenante du titre est au bord de la sortie. Après un énième coup droit de l'Allemande dehors, Kutzer gagne 6-1, 6-3. Jeu, septième match. Graf recule au troisième rang mondial. On espère la revoir au sommet de sa forme très bientôt. Cette saison, lorsque Arantxa Sánchez joue en double, elle est associée à Martin Hingis. Ami un jour, adversaire le lendemain. Ce quart de finale promet aussi beaucoup. C'est le premier véritable test pour Martina. Sánchez part fort, mais Martina ne se laisse nullement impressionner. Arantxa, finaliste l'année précédente, ne tient pas à connaître le même sort que Graf, alors elle attaque. Mais ce jour-là, contre cette Martina-là, ça ne suffit pas, pour preuve, la balle de match. En 1h04, la nouvelle génération est sans pitié.
Fernandez, Céleste, un classique, 16e face-à-face entre les deux américaines. Céleste mène 14 victoires à 1, mais Marie-Jo joue bien actuellement. Elle vient de s'imposer à Berlin. Seulement Monica, qui a concédé le premier set, se reprend et se bat comme une lionne. Elle est tellement volontaire qu'elle fait peur à Marie-Jo. Monica égalise à une manche partout. Égalité. Malgré une belle résistance dans le troisième set, Fernandez subit la loi de la numéro 3 mondiale. Dans le troisième set, le dernier carré féminin, Maioli, Kötzer, Hingis, Céleste. Quart de finale, le match des deux cas. Kafelnikov, le tenant, Kuerten, le coupeur de tête. C'est une rencontre colorée, les deux joueurs essaient de s'impressionner au service, on se rend coup pour coup. Le Brésilien remporte le premier set, mais Kafelnikov reprend le commandement pour mener 2-7 à 1. Guga place alors une accélération. À 3-0, le Russe laisse filer le set et prend un sévère 6-0. Kuerten est relancé. Après avoir battu Muster, il élimine un autre vainqueur. C'est son troisième match de suite en 5-7. Roland-Garros s'est trouvé une nouvelle coqueluche. Le beau regard de Devolf semble perdu. Pourtant, ses supporters sont là. Devolf, Norman, un quart de finale presque incroyable, ces deux-là ont un fabuleux coup à jouer. Les échanges sont âprement disputés, l'engagement physique est total. Devolf, courageux, s'accroche, Norman s'énerve. Comme tout bon Suédois qui se respecte, Magnus Norman défend chèrement sa peau. Un set partout. Norman. Philippe Devolf, qui a déjà 8 matchs dans les jambes, est le plus euphorique. Le Belge devient le premier joueur issu des qualifications à participer à une demi-finale à Roland-Garros.
Il reste un serveur volleyeur encore en piste, c'est Patrick Rafter. L'Australien essaie d'imposer son jeu d'attaque à Blanco. Et ça marche. À tel point que cela donne des idées à l'Espagnol. Nette victoire de Rafter en 3-7. Les Australiens avec Rafter, Philippe Poussis et Woodforde auront été très présents dans ce tournoi. Hicham Arazi est opposé à la seule tête de série encore en piste à ce stade de la compétition, Sergi Bruguera. Avec son rang de 55e mondial, le Marocain joue crânement sa chance. Tout le monde se demande si une nouvelle surprise est possible. Mais il faut se rendre à l'évidence, c'est le match d'un poids-plume face à un poids lourd. Pour la beauté du geste, Hicham ne se résigne pas. Pourtant, plus le temps passe et plus l'emprise de l'Espagnol est grande. Cette fois, la logique est respectée. Bruguera est plus fort, victoire en 4-7. La poignée de main est à l'image de ce match, franche et sincère. Ils se sont bien amusés et nous ont fait plaisir. Première demi-finale dames, Martina Hingis, Monica Seles. La numéro 1 contre la nouvelle numéro 2 mondiale. Bref, une finale avant la lettre. Voici quelques-uns des grands moments de ce match. Thank you.
7, 7-5, 6-4. Après 2h18 de jeu, Martin Hingis remporte son 37e match de suite depuis le début de l'année et s'offre une deuxième finale de Grand Chelem de suite. La deuxième demi-finale paraît bien plus fade. Iva Maioli et Amanda Kutzer semblent paralysées par l'enjeu et les points gagnants comme ceux-ci se font rares. Les discussions avec l'arbitre ajoutent à la nervosité. Un chiffre pour montrer à quel point le jeu est décousu. On compte au total 20 breaks dans cette partie. Calculation abusable, warning Miss Maioli. Après 3 sets qui paraissent interminables, Iva Maioli, la tête de série numéro 9, finit par s'imposer dans ce match de la peur. Iva est soulagée, elle rejoint Martina en finale. 3, 4, 6, 7, 5. La demi-finale surprise du haut de tableau met face à face un Belge et un Brésilien. Après Dosdel, au premier tour, c'est la deuxième fois seulement que Kuerten affronte un joueur moins bien classé que lui. Ça ne l'empêche pas de démarrer en trombe une rencontre qui finalement tient toutes ses promesses.
6-1, 3-6, 6-1, 7-6, le Brésil se découvre un nouveau héros, Guga est en finale, saluant l'extraordinaire parcours de Philippe De Wolf qui, à 25 ans, a réalisé sa meilleure performance. La tête de série numéro 16, Sergi Bruguera face au numéro 25 mondial Patrick Rafter. Le lift de l'Espagnol contre la volée de l'Australien, une opposition de style pour un grand spectacle. Sergi Bruguera finit par user son adversaire, Rafter pourtant héroïque au filet avec 43 volées gagnantes dans le match est à bout de force. L'Australien cède dans le tie-break du quatrième set. Bruguera sort victorieux de sa quatrième demi-finale à Roland-Garros, le voilà pour la troisième fois en finale du tournoi qu'il a révélé. Quant à Patrick Rafter, il fut le dernier survivant de la race des attaquants, celle des virtuoses. Samedi 7 juin, juste avant la finale dames, la cérémonie du centenaire du tournoi féminin. L'occasion de saluer une quinzaine d'anciennes gagnantes à Paris, dont Chris Evert, qui détient le record ici avec 7 titres en simple. Un ultime rendez-vous sous le signe de la jeunesse, de la grâce et du talent. À L2, les finalistes ont 35 ans. Martina Hingis part avec les faveurs du pronostic.
hommage, Mademoiselle Mayotte. Surprise, dans ce match, la Suissesse est dominée, émoussée physiquement. Martina a quitté le court 5 minutes alors que Maioli a remporté le premier set 6-4 et que nous sommes à 2 partout. Puis, à 5-2, Ingi s'appelle le kiné. Le match contre Céleste, le double perdu la veille 18 au troisième set, ont laissé des traces, d'autant que 6 semaines avant les internationaux de France, Martina se blessait au genou après une chute de cheval. Une minute. Ajoutez à cela un match solide de Maioli qui ne laisse aucune balle de break à son adversaire. Iva Maioli, numéro 9 mondial, 19 ans, en route vers son premier sacre dans un tournoi du Grand Chelem. Je sais des matchs. Mademoiselle Maioli. 6-4, 6-2, pour la première fois, la Croatie inscrit son nom au palmarès de l'épreuve. Et ce sont deux jeunes filles radieuses qui concluent le tournoi du centenaire. Iva Maioli, récompensée par Chris Evert, est la tête de série la plus basse, elle est 9e, a remporté un tournoi du Grand Chelem depuis l'ère Open. Martina Hingis garde le sourire, l'avenir lui appartient. Mesdemoiselle, bravo et merci. Finale surprise pour couronner l'édition 97. Sergi Bruguera, tête de série numéro 16, deux fois vainqueur en 93 et 94 par favori face à l'étonnant Gustavo Kuerten, 66e, que tout le monde appelle désormais Guga. La force et la tactique de Sergi contre la fluidité et l'inspiration de Gustavo. Florilège des grands moments de cette finale. Mm-hmm.
40. Guga triomphe en 3-7, 6-3, 6-4, 6-2 en 1h50 minutes. C'est la première fois qu'il gagne un tournoi dans sa carrière. Bruguera a tout essayé, mais ce jour-là, il n'y avait rien à faire contre Gustavo Kuerten, qui bat son troisième ancien vainqueur du tournoi et devient le premier Brésilien à remporter un grand chelem. Guga qui s'incline face à Borg, 6 fois vainqueur de l'épreuve, et reçoit les félicitations de Guillermo Vilas et du président Christian Bim. À 20 ans, Kuerten est seulement le troisième joueur de l'histoire à Paris à gagner l'épreuve sans être tête de série, après Marcel Bernard en 1946 et Mats Wilander en 1982. Première défaite à Paris pour Bruguera en finale, qui revient néanmoins au premier plan,
Ce Roland-Garros 97 aurait été celui de la jeunesse et du renouveau. Thank you.